Bonjour et bienvenue sur Nutri Diète. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle recette de pain, un pain aux pistaches que vous pouvez réaliser avec ou sans robot. Pour réaliser ce pain, vous allez avoir besoin de 300 ml d'eau, 500 g de farine de type 65 à 110 selon vos préférences. La 110 donnera un pain un peu plus dense, 100 g de pistaches, 1 à 2 cuillères à soupe de spiruline pour la couleur, soit environ 10 à 20 g, une pincée de sel et un sachet de levure de boulanger instantanée. Dans un saladier ou la cuve d'un robot, versez l'eau, la pistache, la spiruline, le sel, la farine et la levure. Trissez ensuite pendant 5 minutes, soit avec le pétrin du robot, soit dans un premier temps avec la fourchette jusqu'à l'obtention d'une pâte, puis à la main. Une fois le pétrissage terminé, couvrez et laissez reposer la pâte dans une pièce chaude, comme dans un four à 25-30 degrés par exemple, pendant au minimum une heure pour qu'elle double de volume. Une fois le temps de repos terminé, dégazez la pâte, versez-la dans un moule et laissez-la reposer à nouveau au moins une heure dans une pièce chaude avant d'enfourner. Une fois la pâte bien gonflée, enfournez dans un four à 200 degrés pendant 10 à 15 minutes si c'est des petits pains ou 20 minutes si c'est un grand. J'espère que ce pain vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter et partager la vidéo. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle recette. À bientôt.